Vatican. Dans ce foyer minier situé à environ 140 km d'Iziro en territoire de Wamba, secteur MMMB, c'est l'euphorie qui gagne la population. Depuis qu'on a commencé, on a mangé un modèle et comment vraiment. Et ça, le rôle un miracle. Dès son arrivée ici, le gouverneur du Haut-Tuélé, accompagné de plusieurs personnalités, dont deux ministres, deux membres du comité de sécurité et autres collaborateurs, s'installe dans ses hangars érigés pour prendre part à cette messe célébrée par l'évêque du diocèse de Wamba, Janvier Kataka, pour la circonstance. Juste après, Trésor Karoumé, représentant de la communauté locale, décide de briser le silence. Une gratitude qui ne laisse pas indifférente l'autorité provinciale. Nous allons continuer. Nous avons choix d'intégration de la Grande Orientale. Nous avons déjà terre à football pour la Vatican Matracia. Le programme est de l'intégration. Tout ça l'effort, tout ça c'est comme ça là, de façon que ton maintenir est là et développement. Dans ce traditionnel chant de gloire, tout est mis en contribution pour rendre hommage à ces dignes fils du milieu, qui chaque jour qui passe s'emploie à métamorphoser le quotidien de ses concitoyens, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, initiateur de la politique de développement de la base au sommet. Dans cette forêt dense sont engagés depuis 2 mois des techniciens de la régie provinciale de travaux publics, devant qui rien n'est résistant. Passionné du terrain, c'est sur cette rançon pour les Bolé Mambati que le gouverneur Christophe Bassiné Nonga avait commencé sa journée pour visiter ces chantiers qui vient de dépasser la localité de Lassa dans sa marche vers la province voisine de la Tchopo pour réconforter le moral de ses ouvriers.